Bienvenue mesdames et messieurs dans cette édition d'information et merci d'être sur votre chaîne préférée Alnasso 24. Présentation à la presse des malfrats et divers objets saisis par la direction générale de la gendarmerie de Akremsou. La dite présentation a eu lieu ce 1er octobre 2021 en présence du directeur général de la gendarmerie de Akremsou, Jonathan Marcel. On fait le point avec Ahmad Moussa Kalim. C'est après une mission dans l'ensemble du territoire national par la gendarmerie nationale que cette présentation a été possible. 9 malfrats de diverses infractions, à savoir des fausseurs, trafiquants d'enfants, des agresseurs, trafiquants de drogue et des vendeurs de boissons frélatées. Dans sa présentation, le porte-parole par ailleurs inspecteur technique de la gendarmerie nationale, le colonel Abakar Abdraman Hagar, n'est pas passé par quatre chemins dans les détails. D'une manière générale, nous avons 6 personnes à présenter, 73 armes, 12 sacs de drogue, 23 arcs, 9 carquois, 1 sac de visa, l'alcool, une moto. Je vais vous préciser pourquoi on a la moto. La moto n'a rien fait, mais on a trouvé sur un suspect. Donc, on l'a arrêté avec sa moto, la moto est là. Au niveau de ça, le directeur général de la gendarmerie nationale, dans sa tournée, a pu récupérer aussi 13 armes de différents calibres, dont 2 SIC, 3 SIC, 2 MAS 36, 2 AKM, 5 armes de fabrication locale. Au niveau de N'Djamena, 2 personnes ont été appréhendées avec une petite quantité de faux billets de banque. Pour nous, il n'y a pas de petit vol. Donc même si c'est un seul billet, si c'est faux, le gars doit rendre compte. Au niveau de la compagnie S de N'Djamena, il y a un qui est appréhendé en flagrant délit de vol à l'hôpital Tchad-Chine avec un matelas. Et la pièce est là. Le matelas est devant vous. À la fin de la présentation des malfrats et des objets saisis par la gendarmerie nationale de ce jour, quelques jeunes des environs ont fait le déplacement à la gendarmerie nationale à Klissim pour remettre une attestation de remerciement au directeur général de l'institution, Jonathan Marcel, pour le travail abattu ce dernier temps. Dans le cadre des reprises des cours au cours de l'année académique 2021-2022, les instituts universitaires et autres instituts d'enseignement général s'apprêtent pour entamer avec succès les enseignements. À ce sujet, une équipe de la radio-télévision Anasou a fait le tour de quelques établissements. Suivez les explications des responsables des établissements avec Ahmad Moussa Kalim. Les agents de maître d'œuvre sont en plein train de voir les bancs sont dans la cour. On est en train de faire un remue-ménage dans les salles. Ça, c'est ce qui concerne la salubrité. Également, les inscriptions, vous voyez un peu de mouvement. Et aussi, dans les différentes zones, vous voyez, vous écoutez aussi des communiqués radio-diffusés pour faire appel à nos anciens et nouveaux candidats, que nous sommes ouverts à eux. Et d'ici le début de la semaine prochaine, autour de 6, il y aura un test d'entrée dans les différents cycles de santé, comme les tests nous obligent. Mais dans les domaines techniques, les inscriptions se poursuivent jusqu'à ce que la rentrée soit déterminée. Et au plus tard, le 11, le 10, le 10, le 11, jusqu'au 15, je crois que la rentrée sera effective. Mais pour les deuxièmes et troisièmes années de cycle de santé, la rentrée aura lieu le 7. Donc voilà, au vu et au su que vous avez constaté, nous sommes en train de mener les activités dans ce sens pour que la rentrée nous soit. Pour l'université Mikoussi, la reprise sera effective le mercredi 6 octobre 2021. Pour cela, nous avons prévu une rencontre avec les différents responsables pédagogiques pour aujourd'hui à 13h. Donc à partir de samedi, lundi, tous les emplois de temps seront déjà connus. Et donc le mercredi, on va commencer effectivement les cours. Quoique cette année, par rapport à l'année dernière, l'engouement, c'est nettement mieux parce que l'année dernière, on était un peu perturbé par la pandémie.
Et cette année, juste une semaine après la cérémonie de remise du parchemin, je pense que cette année est meilleure par rapport à l'année dernière. Nous demandons à tous nos étudiants qui sont encore en vacances pour leur dire que les vacances sont déjà terminées. Et là, nous commençons déjà la nouvelle année. Et cette année sera encore une année un peu, disons, pas perturbée, mais avec beaucoup de challenges. Donc il faudrait qu'ils soient déjà prêts. Et effectivement, le 6, nous démarrons les cours. Originaire du Mexique, l'avocat est un fruit très nutritif et possède de nombreuses vertus médicinales pour l'organisme humain et pourtant peu consommé par la population tchadienne. On fait le point avec Zeneba Clémence. L'avocat est le fruit de l'avocatier, un arbre de la famille des Lauraciers, originaire du Mexique. Le mot avocat provient de l'espagnol avocater qui veut dire tester. C'est un fruit climatérique, tout comme la banane, la pomme et entre autres. Ce qui veut dire que c'est un fruit qui continue sa maturation après sa cueillette. Bien qu'il y a 8000 ans que l'homme le consomme et qu'il a été introduit en Europe par les Espagnols au cours du XVIIe siècle, l'avocat est très nutritif et particulièrement facile à digérer. Il participe aussi à la préservation de l'élasticité de la peau. Thérapeutiquement, les études ont démontré qu'il est le remède contre la dénutrition, l'asthénie, l'hypercholestérolémie, l'hypertension artérielle, le diabète, l'anémie, retard de croissance et constipation. Bref, c'est un antioxydant puissant. L'avocat favorise une saine digestion. Pour la peau, grâce à sa vitamine reconnue pour ses vertus anti-âge, est important pour la peau. Il est aussi nourrissant et hydratant. C'est pourquoi son huile est utilisée en cosmétique pour les peaux sèches et déshydratées. Il est aussi utilisé pour les règles douloureuses. En moyenne, un avocat par jour semble être la bonne quantité. Ainsi prend fin cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et à très bientôt. Au revoir. Moi je m'étais juré de rapper, tu vois le topo mec modeste. Je voyais le signe de paix quand d'autres voyaient le logo de Merco Benz. Maté des meurtres trop dingues, du coup ça empire, voilà. Notre avenir va mal, je veux pas du Nirvana de Kurt Cobain. N'investis pas dans le mal si ça se complique. Ne va pas vendre ton âme au diable si tu veux te racheter une conduite. Ferme ta gueule, suffit pas de rapper. Cracher un texte, taper du poing, mon art c'est un signe de paix sans l'index. N'interfère pas dans mon texte, ok d'accord, surtout que t'as tort. Et puis on est en désaccord, qu'est-ce que tu m'abordes et puis d'abord t'es moi qui. Moi je m'étais juré de rapper, tu vois le topo, je suis pas modeste. Je voyais pas de signe de paix en guerre, je voyais un logo Merco Benz. Maté des meurtres, gros flingue, 12 coups vers l'empire, voilà. Si notre avenir va mal, je rêve du Nirvana de Kurt Cobain. J'investirai dans le mal, si ça se complique, je suis prêt à vendre mon âme au diable. Voilà pour m'acheter une conduite. Ouais mais je crois que t'as pas toute ta tête. Toi t'es HS. Négocie. Tout se bigrave, tout s'achète. Ben oui mec, mais tout se paie aussi. Crache ma rage au HF pour faire kiffer les ghetto youth. Ouais mais c'est quoi le but que la rue m'achève et voir qui fait le traître au bout. Vas-y fais la chèvre, le prêtre, moi je rappe avec la barque au boule. Du coup t'as le cul entre deux chaises, tu te déchaînes et parle beaucoup, je te parle de paix. Je parle de guerre, de gang, en gros perte de temps, faut être frais. Grand fier sur le ring sans la paire de gants. J'oscille entre les presses, les flocons de neige, le possible. Et puis les fausses promesses, on m'a dit laisse. Pour être à l'aise, je sais pas s'il faut qu'on reste docile ou s'il faut craquer, braquer, jouer les escrocs. Je squatte, le cul entre deux chaises, j'cogite un dilemme dans ma tête qui est le vrai, le faux. En gros, j'ai la plume entre deux cesses, c'est nocif. Avant que l'encre ne sèche, il faut qu'on m'aide. Moi j'veux les gros culs, de pitié j'en ai aucune. Focus, j'reste sur les billes et le beat, je m'en occupe, elle est occulte.
patience. La grenade est dégoupillée, tout plié dans tous les sens. La rage à qui si tu t'en procures. Donc en gros, drogue dure et or pur, c'est tout ce que tu proposes. Gosse, fortune, ordure, normal que je m'y oppose. T'ose jouer un rôle, mais tu ferais mieux de te méfier, toi. C'est même pas que t'es mort dans le film, c'est encore pire, c'est que t'y es pas. Normal, je suis pas un acteur, je rappe en force, hors pair. Tout dans la largeur, je viens pas éduquer les gosses, je suis pas leur père. Ouais, tu parles, un jacteur blindé de prétextes abusifs qui sera pas nommé aux victoires, mais aux défaites de la musique. Je parle money, 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 sex, drogue, money, money. J'écris avec un usine. Bla 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 bla, t'es paumé, paumé, paumé. Tes textes pauvres, je connais. Moi, je nique les exploits, l'état, le taf à l'usine. Je reste honnête, correct, recherche les billets propres. Je connecte la rue au hip hop. Mais la ligote au beau mec. Non, rien à foutre quand je suis dans le hip hop. Tu croques. Et t'as cru que les gosses ont attendu que je parle de crime pour en commettre. T'es cru, tu vois ce que je décris, me prends pas pour un con mec. Ouais, ici c'est ghetto et crime. Que des délits que tu collectes. Moi, je suis un amoureux du verbe, un gros kiffeur, c'est pas ton style. Je vais pas fourguer de la merde parce que les auditeurs sont scartophiles. J'oscille entre les presses, les flocons de neige, le possible. Et puis les fausses promesses, on m'a dit laisse. Pour être à l'aise, je sais pas s'il faut qu'on reste docile. Ou s'il faut craquer, braquer, jouer les escrocs. Je squatte le cul entre deux chaises, j'cogite un dilemme dans ma tête qui est le vrai, le faux. En gros, j'ai la plume entre deux cesses. C'est nocif, avant que l'encre ne sèche, il faut qu'on mette gros. Eh, hey, vas-y, arrête avec tes raps de prof de français. Qu'est-ce que tu me prends les couilles avec tes poèmes? Si la vie c'est sale, c'est cru, c'est la hesse. On en a plus rien à foutre, de quoi tu me parles? De quoi je te parle? Ouais, de quoi tu me parles? De tes contradictions, crois pas que ta connerie est le seul chemin. Mais quel chemin? Y'a pas de chemin. On les baise, nous c'est tête à queue. Défonce les barrages et prends l'oseille. Toujours la même recette, les mêmes récitures. La même écriture, des mythos visant l'euro. C'est même des tritus lâchés de ces stylos Bix en neurones. Aux yeux de l'industrie du disque, t'es qu'un pitre. Pas un rappeur, un acteur ou un braqueur. T'es juste un chien. Ouais, ça fait un, deux, pour le fric et pour le flow. Je me gifle le son pour les pauvres. Je rappe, je fais la une des infos. Je veux de la trappe pour mon parcours, plein de fautes dans la course. Je veux rester, ça part aux infos. C'est vrai, je suis capitaliste. Ouais, j'aime faire l'oseille. Je le brutalise, le destin, je m'en les arroser. Ils veulent que je reste ancien. Moi, je suis pas là pour lécher la vitrine. Je vais te brouiller un Scarface, pas celui qui trime. Ouais, mais rêver de vente en gros d'un cartel, c'est pas ce qui prime. À la foutre, j'ai les crocs. T'es imparfait, tu seras victime de ce que tu véhicules. C'est vrai que ce bise mes cartels, je plante la révolte. Les foufles, les chartels, les flingues et les gros véhicules. Mais il est bête ton Cali. Bute les tous. Tu t'es cru où à Cali? Bute les tous. Oh oh, c'est quoi ce bordel? On va fumer personne. Ok, tu veux que je les câline? Non mais les mots sont plus mortels qu'un Wesson. Arrache-moi de mon beat, moi je me prends des sommes. Parler de beat et de chat, du sky dans le calice. J'fais mes preuves sans être bavard, j'veux pas de la place du calife. Moi j'veux le beurre, l'agent du Qatar et le buzz à Caris. Pour ça j'ai choisi d'innover, mis de côté l'avarice. Façon qu'on sent bon ou mauvais, tous les médias nous salissent. Côté droit, tout socialiste, toujours une France à deux vitesses. C'est vrai qu'on grossit la liste, on crève à fond. On vit presque, on a besoin de résolution. Besoin de bifton, solution. J'comprends les frères qui servent des litrons. Ceux qui parlent de révolution. Bon ou mauvais, ça dépend de quel côté de la vie on se trouve. Le but c'est de se sauver de là, y'a que deux issues quand t'es dans ce trou.